inscrit dans le CAF, c'est plus prudent. Ouais, oui, si tu veux. Nous revoilà. Là, je viens juste de reprendre de filmer. Donc, bienvenue dans Fallen. Non. Totem Battle. Épisode 5. Donc, les assauts commencent aujourd'hui. Donc, tout de suite, on vous dit oh my god. Hein? Les TNT peuvent être activés. Hein? Et ils peuvent nous défoncer. Hein? Pas maintenant, non. C'est un peu des débiles. Oui, ils le disent. Voilà. Non, Ah merde, je suis sorti sans piège. Ah, c'est plus facile quand même avec un arc d'avoir des trucs. Voilà, c'est un peu des débiles sinon. Mais ça va, ils sont débiles mais pas à ce point-là. Donc la dernière fois que j'ai vu Guigou, c'est quand j'ai foncé dans leur base et il était pas loin du spawn. Donc il est Ils avaient une peut-être. armure ou. Il comprend rien. Tu les meurs, on a compris que vous vouliez attaquer. Non mais. Ils sont en train de se dire la même chose de nous. Ah oui, c'est vrai. On va peut-être se reprendre. Ça dépend. Ou alors on y va en survie, on risque de mourir à tout moment. Comment ça? Bah, tu sais, il faut mettre les torches là sur chaque objectif qui est fait. Eh bien, on n'a pas encore fait ça. Mais on sait pas si eux ils peuvent le faire. Et s'ils n'ont pas tous les objectifs, ils peuvent pas attaquer. On n'a toujours pas caché la salle des coffres. Ah, tu la planques un peu. Attends, tu veux que je la planque où? Tu peux m'ouvrir, je suis à côté de la marée. Ok, tu vas aller poser les torches, donc les objectifs, tu sauras lesquels on a fait, hein, t'es Non, pas un mais débile. tu Oui, veux. j'arrive là, je sors. Je vais te passer une pioche, c'est plus simple. Non, mais faut que je rentre donc. Voilà, et moi je vais aller miner un peu pour. Je vais faire des labyrinthes. Ah, oui. Faudra que je trouve un peu plus de charbon, donc il y en a pas mal, il y en a deux là. 43, bon ça va en fait. Oui, je sais, on est blablabla, on n'a pas très beaucoup de trucs. Blablabla, ça suffit maintenant, hein. Bande d'enfants. Pas la peine de nous narguer. Alors, coup de creep. Alors, on a 3 coups de creep. Comme on est mal parti, enfin on est mal parti, on n'a toujours pas de redstone et tout, on peut pas cacher notre salle des coffres. Par contre, t'as pris des torches, mais comment je fais des torches, moi? Attends, je vais en faire. Ah oui, t'inquiète, il y a sûrement assez, hein. Parallèle qui mène dans des trous, donc ça risque d'être un peu noir, mais c'est normal. Je vais creuser dans le noir pour que eux-mêmes ne puissent pas voir où ils marchent. Ah, en plus, je tombe sur du charbon, c'est parfait. Eh, on a toujours pas de stuff en diams. Enfin, on a toujours pas de. Même deux petits diams pour faire une épée. On n'a rien du tout. Ouais. Ça fait peur. Oh là là. Oh, j'ai une trop bonne idée pour la cacher. Là, par exemple, je mine du charbon. Donc, eux, ils vont penser à aller tout droit en se disant, ben non, il n'y a rien. Et je vais faire un tout petit chemin qui part d'ici. Comme ça, ils vont pas le remarquer. Mais s'il le remarque. S'il le remarque.
Dis-moi les co... Mais ça change quoi qu'il ait un arc? Non, s'il le remarque. Ah, s'il le remarque, eh ben écoute, s'il le remarque, tant pis. Faut bien qu'on prenne des risques, hein. Tu vas venir me voir toi-même pour savoir si... Oui, comme ça, on va savoir si tu le remarques. Tu viendras me voir. Bah, pas tout de suite. Donc, je sais, là, vous n'y voyez absolument rien. Mais c'est pour que eux-mêmes n'y voient rien, que je puisse faire un trou dans le sol. Et qu'ils soient obligés d'user une TNT pour si peu. Ah oui, c'est pas bien. Je fais un virage. J'avance un petit peu plus. Bon, bah, écoute, je vais pas ramasser la cobble, par contre. Voilà. Oh mais ouf. Oula, j'ai arrêté le sneak, du coup j'ai failli tomber. Je suis en train de me mettre en sneak pour aller contre la tour. Tu fais gaffe, hein, tu regardes partout autour de toi. Je suis sûr que, en fait, Gigou dans l'épisode précédent, il était juste allé se préparer. Ils sont dans une grotte, je pense. Bah Vamel était dans une grotte tout à l'heure, hein, quand je suis allé le voir. Enfin, dans une grotte dans leur mine, quoi. Ok, oui, ils ont tous les objectifs. Ils ont tous les objectifs. Ouais, mais sauf que je peux pas lire ce qu'il y a sur les panneaux, donc... Écoute, le premier objectif, c'est faire une maison, donc ça, tu peux cocher, c'est bon. Bon, pire, tu mettras ça plus tard, les objectifs sur les panneaux. Parce que là, je sais, j'ai trouvé un endroit où cacher la salle des coffres. Attends, je découvre le coup, on va voir. Ok. Voilà. Je vais envoyer pourquoi t'étais parti. C'est pour ça que j'ai envoyé le panneau dès que t'arrives. Merde, on a pas fait un champ. Ouais, faut qu'on fasse un champ. C'est le seul truc qui nous manque. Sinon, tout le reste, c'est bon. Celle des coffres. Ah non, oh putain. Faut qu'on soit full stuff en fer. En métal. Métal, ouais. Oui. Bah, en fer, métal, c'est pareil. Par contre, faut qu'on fasse. La selle, elle est faite ou pas des coffres? Je suis en train de la cacher. Et t'as pris le coffre? Non. Donc n'y va pas pour l'instant. Oh mais y a des mines partout là. Je suis en train de creuser absolument partout, même moi je vais pas m'y retrouver. Pas de torche alors au niveau du. Oh mais je suis où là? C'est quoi ce bordel? Bazar, pour être poli. Attends, je vais regarder un peu ce que. T'aurais pas un peu miné dans tous les sens dans la mine? Non, j'ai pas miné. Je sais pas, parce que là je trouve un endroit magique qui mène au pays des merveilles. Bon, je vais monter un peu. Et ils peuvent nous attaquer quand ils veulent. Bah non, ils peuvent pas atteindre l'extérieur. Oh merde! Ouf, c'est bon. Ou alors je mets ou pas qu'on a fait une salle des coffres? Non, pas encore. Alors, va falloir qu'on aille faire un champ aussi. Donc on va créer des barrières, on va essayer de trouver du maïs. Parce qu'un champ à mob ça va être trop compliqué. J'en ai des graines, je crois. Des graines? Ah bah c'est très bien. Comme ça tu... Ouais bah à la limite ça va être fait dans 15 minutes à peine. Non, même pas dans 15 minutes, dans 5 minutes, je voulais dire. Donc tu peux le mettre maintenant. Ouais, je le mettrai après. Comme tu veux. De toute façon, faudra y retourner pour mettre celle des coffres aussi. Parce que j'ai pas encore fait le transfert. Merde! C'est quoi cette salle? J'ai peur que ça soit notre salle des... Oula! Oh non, c'est bon, ça mène nulle part. C'est un truc qui mène nulle part. Salut, Jordan! Petit pousset! Voilà. Je faille souvent tout seul comme ça. Oui, bah oui. Pour leur faire croire un gros fake, je mets une torche au bout d'un coin, comme ça ils vont y aller et dire « Ouah, y'a la salle des coffres !» D'ailleurs, j'ai envie de mettre un panneau. Et non, c'est pas la bande de blaireaux. Comme ça, ils vont casser partout dans cet endroit en pensant que c'est ici. Oh, j'ai une trop bonne idée. Fais un panneau, s'il te plaît. Un panneau et fais cuire deux pierres lisses. Fais cuire deux trucs de cobble. Pourquoi? Parce que j'ai un plan. D'accord.
Ah merde, on a plus de stats. Oh merde, putain, il y a de l'eau ici. Oh bah je suis sûr, j'arrive dans un autre endroit que là où j'étais. Ah, une araignée, une araignée. Et j'ai une épée, c'est bon. Dégage, méchante fille. Bah écoute, comme ça. Voilà. C'est bon, tes panneaux sont faits, tu veux les connaître? Et tu fais cuire de la cobble 10. Je n'ai pas de cobble. T'en as pas? Bah tant pis au pire. Et tu voulais faire quoi? Je vais juste... Non mais c'est pas grave, je vais mettre le panneau quand même. Je vais mettre un panneau et non, c'est pas la bande de blaireaux et faire un petit chemin. Comme ça ils vont y aller et ça mène à un gros fake. Ça va les ralentir. Hein. Regarde, c'est là, viens là. Le panneau, tu le mets au bout et tu le poses juste en dessous la torche là, juste en dessous la torche. Et tu écris, non, c'est pas la bande de blaireaux. Et je vais te montrer où je veux faire la salle des coffres. Est-ce que t'as remarqué quelque chose là quand tu te baladais? C'est bon? Voilà. Maintenant, tu me suis. Regarde où je vais mettre la salle des coffres. Maintenant, ils vont pas penser à aller là. Et c'est ici, en bas. T'es sûr qu'ils vont pas y penser? Et s'ils y pensent, bah tant pis. Est-ce que tu vois la lumière d'en haut? Non, on Oui. la voit pas, c'est bon. Quand on avance ici, on la voit pas. Parce que regarde, ils vont aller tout droit en pensant qu'on a mis du charbon, ce qui était le cas à l'origine. Bon, maintenant, la sortie, tu sais où c'est? Ah, j'ai trouvé. Du premier coup. Je suis Dieu! Qu'est-ce que je voulais faire? Mais s'ils descendent dans le trou, après, ils voient que c'est là parce qu'ils voient de la lumière. Ah oui, je vais creuser un peu plus loin pour mettre la lumière. La sortie, je sais pas trop où c'est. Viens vers moi là. Et c'est au bout. Tu tournes à droite. Ou gauche. Gauche, 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 gauche. Je vais de la cobble. Ah oui, viens là. T'es où? Je suis devant toi. Hop. C'est bon, non, c'est bon, c'est bon, c'est juste pour en faire. Faudrait faire le transfert maintenant. Ouais, ce serait une bonne idée. Je fais un petit chemin un peu débile, mais au moins c'est juste pour cacher la lumière. Hop, et ici. Hop, et hop. Voilà, il n'y a plus de lumière, on la voit plus. Même quand on est au bout, on la voit pas. On pourra peut-être perfectionner un peu le labyrinthe si un jour on s'ennuie. Gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche. Pourquoi j'ai dit ça alors que c'était pas du tout le chemin? Je vais avancer un peu la muraille. Oh, il fait déjà nuit. Non, je l'ai fait la muraille. On l'a fait à deux. Mais il fait déjà nuit. Ah, faudrait que j'installe Inventory Twix. T'as qu'à rajouter une épaisseur en plus pendant que moi je mets tout au même niveau. Ok, de la cobble. Non, pas là, mais en là. Vous aussi, mais bon, là. File-moi de la cobble. Hop. Okay.
Ah merde, putain. Dernier. Je laisse juste un escalier pour qu'on puisse monter en haut de notre muraille. Au moins, elle est épaisse. Y a limite plus la place de faire un truc à l'intérieur. Oh, mais mince, pour être poli. Donc, je vais faire avant je vais essayer. Regarde où est la. Bah non, t'es à l'intérieur, tant pis. Des barrières, très bien, il y en a. Je prends ça. Faut que je me fasse une faux. Oui, je dis souvent ce que je fais pour éviter de. Pour combler les gros. Les blancs. Et un saut. Est-ce que t'as d'autres cobbles? Quoi? Est-ce que t'as d'autres cobbles? T'es où? Suis là. Tiens, prends toute ma. Attends, faut que j'en garde juste deux. Voilà. Tout ce qui me reste. Reste que 5, 13. Oui. Ah non, à la limite. Tiens, en voilà deux autres. Ah, la muraille, hein, je l'ai perfectionnée. En voilà deux autres qui sont par terre. Faut les chercher au bout de 4 minutes ou 2. Enfin, je n'ai pas la moindre idée. Il me semble que c'est 10, mais apparemment, c'est pas 10. De quand est-ce que ça s'en va les blocs? Faut en bois, hein, ça change absolument rien. Faut de la bouse, 6. Ça me suffit, hein, ils ont dit un champ, pas un grand champ. Bon, j'ai récupéré mes deux. Ah, une araignée, une araignée. J'ai quasiment plus de vie, s'il te plaît, occupe-toi, occupe-toi. Ah, j'ai plus de 3 coeurs, j'ai plus de 3 coeurs, 2 coeurs. Oh, merci. Parce que là, je termine juste mon truc et après, je pourrais mourir. Je vais aller les espionner une dernière fois, voir si on peut rentrer chez eux. Enlève ton armure. Oui, t'inquiète. Mais j'ai plus de 2 coeurs et j'ai la flemme de dépenser de la bouffe pour cible. Bon, tant pis, j'ai mis N apostrophe, enfin, bref. Tu peux faire une porte barrière, s'il te plaît. J'étais en train de faire un travail. Désolé, bah, je vais aller la faire, tant pis. Je pensais que tu étais à l'intérieur. Je suis en pauvreté pour faire une armure en métal. Comme ça, on aura fini tous les objectifs, nous aussi. On peut rien dire de la muraille, elle est bien épaisse. On n'a pas assez pour faire toute l'armure. Non, mais c'est pas. On aura ramené. Tiens, prends ça, c'est pour toi. Et j'ai pas assez pour faire les casques. Je mets mon armure dans le coffre. Je vais aller chercher de l'eau. Je prends tout. Je dépose tout dans le coffre sauf mon seau. Je vais planquer un peu plus la salle des portes. Ok. Il va falloir faire le transfert aussi. Oui. Je vais chercher avec mon petit seau. Ah! Quoi? Ils sont pas loin, ils arrivent. Je crois qu'ils arrivent pour faire une attaque le début du jour suivant. Ah, les blaireaux, ils se font attaquer sur le chemin. Engue. Ah! Oh putain. Désolé pour le gros mot, mais il a un arc enchant. Ah non, merde, c'est juste que j'avais plus que 2 coeurs. Ils m'ont tué, ils sont juste en bas de la base. Ouais, je sais. Je mets mon armure et je me prépare pour la guerre. Bon, bah, j'arrive pas à ouvrir les coffres, tant pis. Je vais faire un attentat suicide. Attends. Ice casse. Pour savoir si on enchaîne pour les attaquer directement ou pas. Pour qu'ils continuent leur attaque de merde. Ah! Ils peuvent rentrer dans notre base, ils ont fait péter un truc qui mène directement à notre grotte. Faut reboucher vite, rebouche, J'ai rebouche. pas le temps, je peux pas, j'ai rien du tout. Ah! Ok, donc on va vous laisser et on reprend directement, hein, parce que ça risque même d'être le dernier épisode. Hein? Je sais pas si ça va être le cas, j'espère pas. Donc on vous laisse, à tout de suite.